des bonbons pour les petits-enfants. On tue 50 gamins pour avoir un terroriste. On paye pas le tiers-monde, peut-être. On les laisse crever de faim et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie. La situation est grave. Les discours pacifiques ne suffisent pas. On connaît les crimes. Le réchauffement climatique est une réalité. Yo. C'est que les lobbyistes ont acheté Washington. On a vu l'effondrement de la bulle financière. Yeah. Mais on continue à imprimer de la monnaie. Yeah. Pour regarder les tables dans 50 ans ou même avant, tout sera terminé. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète. Il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Dans une certaine année, on sera plus perdu. Yo. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Dans une centaine d'années, il n'y aura plus rien pour l'humanité même. C'est pas une météorite, ça sera vous-même. Vous-même, par votre connerie, man, que vous êtes inventé devant le petit écran de télé. J'ose affirmer des choses qui te vexaient. Que ton Jésus-Christ n'est fait que sur nos croix. À tous les croyants, son père était bon charpentier. Pour être bon charpentier, peut construire des croix de damnés. Mais sans déconner, quand ils repensent en mode meurtri, qu'est-ce qui va rester avec gamin? À vos gamins, moi perso, j'en ai pas. J'aime bien voir une gamine. J'aime bien voir une gamine dans ce monde de cinglés. Où j'aurai ni Dieu, ni maître, mon étendard, ma liberté de penser quoi qu'il arrive. En s'installant dans l'esclavage, j'en ai plus de la musique. Une thérapie, une liberté de penser. Mais je comprendrai, ouais, jamais ces gens-là. Ils érigent des murs, on ne leur pas. Leur pas de damnés. Au fond, on ne respecte pas les actes qu'on fait. Cette fois-ci, c'est clair. Nous voici un enfer sous terre de 2000 ans de conneries. 2000 ans de conneries, ah, j'ai des choses vexées. Mais la triste réalité, on se demande qui existerait un toit sans l'aider, sans l'aider. On se demande s'il existerait un toit sans l'aider, lady. J'ai pas peur de ce qui est, je dis les choses d'excès. Mais la triste réalité, aux jeunes qui ont fait vers la pauvreté, de chasteté, viol des gosses en toute impunité. Ils pourraient nourrir le monde entier. Mais sans déconner, je comprendrais, ouais, jamais ces gens-là. Ils rient des murs, on ne leur pas de damner au fond. Le fond de la forme, forme personne ne connaît. Mais c'est un terminus pour l'humanité. Même si c'est pas une météorite, ça sera vous-même. Vous-même, par votre connerie, man, que vous êtes inventé. Devant le petit écran de télé, j'ose affirmer le calendrier, pour le tech jour. Beaucoup de choses que j'affirme dans mes textes. Mes textes de paix. Je comprendrai jamais ces gens-là qui rigent des murs au nom de la foi. Je comprendrai jamais ces gens-là qui rigent des murs au nom de la foi. Mais bientôt, ça sera le terminus pour l'humanité. Même si c'est pas une météorite, ce sera vous-même. Vous-même, par votre corps humaine, quand vous comprendrez dans vos têtes que c'est pas la terre qui est en danger, mais l'humanité. Mais l'humanité. Vous comprendrez dans vos têtes que c'est pas la terre qui est en danger, mais l'humanité. Mais sans déconner, peut-être qu'on pourra avancer. Vous tomberez d'accord des deux côtés, des trois côtés, des quatre côtés, qui sait. Mais quatre, le chiffre de la justice, il faut pas lier. Parce que deux et deux font quatre connards. Deux et deux font quatre connards et non six PD. Mais sans déconner, que je comprendrai, ouais, jamais ces gens-là. Ils rient des murs, on ne lave pas. Même truc, toi, mais l'histoire est truquée. Même l'histoire est truquée. En tout cas, ils ont pris le bon paré. Le viseur a bien visé, ils se sont cassés. Ils ont eu l'autorisation de voyager. Peu risqué, tu vas perdre risqué, quitte à faire buter. En disant le monde de la paix, mes frères et sœurs, partis au combat, le poing levé. Pour ma cité de terre, pour ma cité de terre. Quoi qu'il arrive, on s'installe dans l'esclavage. On vit pour nous la musique, une thérapie, une liberté de penser. Une thérapie, une liberté de penser. La musique pour moi, c'est un défouloir, une thérapie. Tout ce qu'on pense au micro, c'est pas nouveau. T'es sûr, je fais pas quelque chose de nouveau. Mais au moins, j'improvise, je fais ce que je veux. Dans l'avenir, on fait ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut. De notre époque, les voix qui crient dans le silence du désert. Et ce sont ceux-là que l'État s'acharne à martyriser. Notre démocratie est morte. On nous interdit de dire ce que nous pensons. À elle seule, cette interview devrait suffire à m'envoyer en prison sans jugement.